La fille de Johnny n'a pas apprécié. Alors que la guerre des clans fait toujours rage au sein de la famille de Johnny Hallyday, un livre laisse entendre que la rivalité entre Laetitia Hallyday et Laura Smet ne date pas d'hier. Le jour des funérailles de Johnny Hallyday à la Madeleine, Laetitia Hallyday et Laura Smet étaient unies dans la douleur, celle d'avoir perdu un mari, un père. Mais depuis, cette union sacrée a volé en éclats. Quelques semaines après la mort du rocker, le dévoilement de son testament a mis le feu aux poudres et démarré une guerre des clans, qui se joue devant les tribunaux. Déshérités, les aînés de la famille Hallyday comptent bien obtenir leur part du gâteau. Depuis, les relations entre la veuve du taulier et ses beaux enfants sont souvent décrites comme froides, distantes. Tous limiteraient au maximum les contacts. D'ailleurs, David Hallyday et Laura Smet ne se sont pas rendus à Saint-Barth depuis le mois de décembre, que ce soit pour voir leur petite sœur ou se recueillir sur la tombe de Johnny. Une belle entente familiale brisée par la mort du rocker / Pas d'après Laurence Piau, autrice du livre Laetitia, la vraie histoire. Dans les pages de son ouvrage, elle raconte une source de dispute entre les deux femmes, qui remontait à plusieurs années. Le 15 février, raconte-t-elle, Jean-Claude Sindre, l'ancien compagnon de Laura, publie ainsi sur Instagram les images de son mariage 2 ans plus tôt dans la maison de Johnny.